Salut les amis, je mets euh, cette vidéo ici là juste pour montrer à certains Thomas, parce qu'il y a beaucoup de Thomas. Quand Nicolas Anelka a dit que Samuel Eto'o fils en 99 a gagné la Champions League avec le Real Madrid, oh non, non, parce que depuis longtemps, on est en train de nous pomper les oreilles avec trois champions League de Samuel Eto'o fils, parce qu'on est en train de chercher qu'ils soit à l'égalité avec certaines personnes. Vous voyez, c'est ce comme ça que certains médias voient des choses. Ils ne veulent pas dire la vérité. D'autres disent que Eto n'avait jamais joué avec le Real Madrid. Tout cela, c'est le mensonge. Quel mensonge, les amis. Eto a bel et bien joué avec le Real Madrid. Je crois qu'il avait le dossier numéro 16. Il a joué les mages de la Champions League. Il a joué avec Anelka. Et il avait du caractère, les amis. Il avait du caractère. raoul González même avait dit lors d'un entretien que c'était le jeune. Aux entraînements, quand il lui donnait le ballon, il dribble, il court marquer, il ne donne pas à Eto. Et quand Eto a eu le ballon, Eto refuse de lui donner. Donc, il avait déjà le caractère, ça Samuel Etofis. On peut le détester, les amis. Je suis d'accord. Personne ne fait l'unanimité, moi y compris. Mais seulement quand les choses sont des faits, présenter les faits tels qu'ils sont. Tels qu'elles sont. Oui. Vous ne pouvez pas tronquer les faits juste parce que la tête de X ou Y vous dérange. Les archives sont là. Et petit à petit, ces archives sortent. Samuel et Taufis, les gens qui m'ont. Parce que les gens m'ont appelé pour me demander d'enlever la vidéo que j'ai fait sur Samuel et Taufis en disant que non, c'est pas vrai, c'est ceci, cela. Je ne fais pas partie des gens qui parlent de la NAC. Je ne fais pas partie des gens. Moi, si je ne peux, veux pas travailler avec quelqu'un et que la personne n'entre pas dans ma logique, je ne travaille pas avec la personne. Je ne peux pas aller travailler avec cette personne pour venir pleurer après, pour venir raconter des boobas. C'est-à-dire que. Est, ça veut dire qu'on était dans les calculs. Donc, suivez bien mon regard, les amis. Il y a des gens comme ça qu'on a fermé le robinet et aujourd'hui, ils veulent en découdre avec Samuel Mais c'est des bonnes guerres. Quand vous, vous êtes dans le non-sens, et si vous voulez rester dans votre non-sens, c'est votre problème. Mais quand nous parlons de faits, quand nous parlons de faits comme la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est Samuel et fils sur le terrain que vous avez vu là, les amis. Ce n'est pas un autre, Vous avez vu Samuel et fils sur le terrain en train de jouer pour le Real de Madrid, un match international. Un match de Champions League. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre de savoir qu'on on fait tout pour être malhonnête. Quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants quand on réfléchit comme ça? C'est-à-dire que quand on se place là à la télé ou à la radio, on dit ça, met fils à trois Champions League. Quand quelqu'un dit non, quatre, on, on commence à me dire ouf, oh, il était ouf, oh, il n'était pas ceci, ouf, oh, il n'était pas ceci. Tant que ton nom est enregistré, comme la, la vidéo que vous, vous voyez là, c'est que son nom était Henri, il faisait partie de l'effectif du Real de Madrid qui a gagné la Champions League. Comment est-ce que c'est possible qu'il n'a pas gagné la Champions League avec le Real de Madrid Donc, le premier, la, le premier trophée de Samuel Eto'o-fils en Champions League, c'était avec le Real de Madrid en 99. Et toi a donc gagné deux Champions League avec le FC Barcelone et un avec l'Inter de Milan. Donc, ça fait au total quatre Champions League. Vous, il est dit encore, détestez-le quand vous voulez. Moi, j'ai les sujets où je critique tout de façon assez, simple, parce que je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Mais quand ça concerne les faits, honnêtement, les amis, je ne peux pas me placer là pour tronquer les faits, juste pour, 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 pour jouer au beau, parce que c'est malhonnête. Et ils sont pleins là-dehors, pour des raisons personnelles, ils sont devenus les gros, gros malhonnêtes. Oui, ça ne sert à rien, les amis, d'être comme ça. Euh, les amis, je vous conseille avant de partir de télécharger l'application SendWave. Si vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en irlande, vous êtes euh, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, téléchargez l'application SendWave sur Play Store sur Apps, ou sur App Store. Mettez mon code promo Cinetor. S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne droit à 10 euros gratuitement. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros par mois et poussez votre limite jusqu'à 40 000 euros par mois. Les amis, vous pouvez envoyer l'argent à destination du Cameroun, à destination du Sénégal, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, à destination de la Côte d'Ivoire et du Mali. Donc, comme je dis encore les amis, si vous pensez que quelqu'un n'est pas suffisamment honnête pour vous et ses idées ne cadrent pas avec les vôtres, évitez d'aller travailler avec cette personne pour venir pleurer après. Si vous pensez que quelqu'un vous a empêché de tourner en rond, c'est de votre droit de vous défendre. Mais seulement, vous ne pouvez pas vous défendre en voulant minimiser les chiffres, le palmarès de la personne. Ce n'est pas ça. Ça, ça s'appelle la mauvaise foi. Et c'est malhonnête. Et tout le monde ne doit pas être comme ça. Thank you, friends, and bye bye.